Chaque semaine, l'actualité ludique, c'est les Fini News. Les nouveautés. Dans À quoi jouer avec la biodiversité sous-marine en créant un écosystème diversifié. Votre but sera de construire un massif corallien florissant et accueillant pour attirer les petits animaux, puis les plus grands. Une excellente occasion de réfléchir à la préservation des océans tout en s'amusant. En duel, en équipe et en solo, Feralis vous propose d'incarner un dieu cryptique et de prendre l'ascendant sur vos adversaires en faisant muter des créatures et en les utilisant contre d'autres divinités. Un jeu sombre et brutal qui plaira aux joueurs aventuriers et sans pitié. La famille Mindbug s'agrandit et accueille de nouvelles extensions autonomes, Éternité Suprême et Évolution Suprême, de manière d'enrichir votre expérience de jeu en explorant de nouvelles stratégies avec de nouvelles créatures évolutives et des capacités d'activation surpuissantes. Sort également cette semaine Carvi, Ubongo, Carapate et un Drakkar d'autres. Bientôt disponible! Après Endeavor, l'âge de la voile, et ses expéditions historiques, Endeavor est de retour, mais dans un univers plus contemporain. Dans Eau Profonde, embarqué dans un tout nouvel espace de jeu, en explorant l'océan, de sa surface grouillante d'activité, jusqu'à ses profondeurs recélant de ressources insoupçonnées. Alors que Georges Méliès tourne le voyage dans la Lune, incarnez ses précieux assistants pour l'épauler dans cette belle aventure artistique et novatrice. Construction des décors, réalisation des trucages, encadrement des acteurs, mais aussi montage de scènes, sauter à pieds joints dans l'un des épisodes les plus extraordinaires du début du cinéma. L'aventure route continue. Avec l'extension Maraude, la forêt enchantée accueille deux nouvelles factions, les seigneurs des sangs et les gardiens de fer. Mais c'est pas tout, cette nouvelle boîte introduit également quatre nouveaux nomades, dont les redoutables robots de la rivière. Ça promet de belles joutes. Quoi de neuf sur le blog ? Dans le paysage ludique, Tonnerre de Tuiles est un jeu qui se démarque par son histoire. Créé par des collégiens dans le cadre de leur option mini-entreprise, le jeu de société a pris forme en quelques mois et concrétise le travail acharné de ces entrepreneurs en herbe. Inclusif, éco-responsable, solidaire et surtout récréatif, on vous dit tout sur ce jeu pas comme les autres. Les Fini News, c'est terminé. À la semaine prochaine et bienvenue au printemps.